souvent. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue au stade Maurice Trélu à Tarbes où nous allons assister donc à cette rencontre de la 11e journée de National qui va opposer le Stade Ossest Tarbais ou le Stade Tarbes Pyrénées à l'US Carcassonne. Vous êtes déjà une centaine à être connectés, je sais que vous allez nous rejoindre nombreux. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité à chaque retransmission que nous sommes très heureux de pouvoir assurer en essayant bien sûr de vous donner le meilleur en termes de qualité d'image mais également donc en termes techniques tout en sachant bien entendu que nous n'avons pas les moyens de grandes multinationales mais écoutez, l'essentiel c'est quand même de retransmettre et c'est de pouvoir vous permettre de vivre un excellent moment. Donc je tiens bien entendu comme de tradition à saluer ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. A commencer par Élie Bondouille, bien sûr, notre analyste vidéo, qu'on ne peut pas voir sur la caméra, il est derrière moi. Nous avons Arsène Beuron, bien entendu, chargé de communication auprès de l'USC, qui assure l'intégralité de la régie. Et puis Philippe Soum, des Hérétiques, toujours à nos côtés, bien sûr, pour assurer la qualité de la retransmission. Nous aurons le plaisir, comme de tradition, d'être rejoints par un joueur, qui viendra après une dizaine de minutes de jeu. Aujourd'hui, c'est Clément qui va venir donc commenter avec nous. Clément Egezano, notre ailé qui ne joue pas aujourd'hui, donc qui n'est pas sur la feuille de match et qui viendra nous rejoindre à peu près au bout d'une dizaine de minutes de jeu. Alors nous sommes en direct donc de Maurice Trélu, 11e journée du championnat. Vous le savez, c'est un match qui a une vraie importance pour nos couleurs jaune et noir. C'est peut-être aujourd'hui un match de bascule puisque nous sommes avant une semaine de trêve et de repos. Et puis nous aurons ensuite trois matchs à la maison. Rappelons-le, le fameux derby, bien sûr, dans 15 jours face à nos amis, homologues et adversaires en Narbonnais, bien entendu, les Oranges et Noirs. Et puis nous aurons la réception de Hier Carqueran, qui a été le dernier adversaire qui a affronté Tarbes la semaine dernière. Hier Carqueran, qui s'était d'ailleurs lourdement imposé contre Tarbes. Et ensuite, juste avant les fêtes de Noël, le premier match de phase de retour, puisque nous recevrons Bourg-en-Bresse. Voilà, donc un point bien sûr au classement. Je sais qu'en tant que fidèle téléspectateur, vous le maîtrisez et vous le connaissez tous. Eh bien, nous sommes aujourd'hui troisième au classement depuis la victoire d'Albi hier face à Massy, avec exactement donc 33 points. Les Narbonnais devant nous avec 34, les Albigeois à 35. Quant au Stade Ossest Tarbais ou au Stade Tarbes Pyrénées Rugby, ils sont 10e avec 24 points, mais c'est une équipe qui sait recevoir, c'est le moins qu'on puisse le dire, puisque sur 6 réceptions à domicile, elle en a gagné 5, de fort belle manière d'ailleurs, hein, puisque rappelons qu'elle a quand même battu entre autres Narbonne, ici à domicile, mais elle a perdu une fois, face à Nice de façon très lourde, puisqu'elle avait encaissé près de 38 points ce jour-là. Mais le Stade Ossest Tarbais est une équipe qui aujourd'hui est animé d'un air de revanche. On sait que pour également cette équipe, c'est une passe peut-être un petit peu délicate. Et c'est dans ces moments justement où c'est délicat que souvent les équipes peuvent se ressaisir. Donc ça va être véritablement pour nos jaunes et noirs ce soir un gros test qui peut nous faire basculer vers du très positif ou alors écoutez, nous maintenir dans les 4 à 5 premières places du championnat en cas de défaite. Côté Tarbais, on aura une équipe assez classique avec une première ligne Miss Lamotte Tofa, le Togien. Seconde ligne Roland Peitavi. Troisième ligne Armari, le capitaine. Un nom qui vous dit quelque chose dans le monde du rugby puisque c'est le fils de Louis Armari, célèbre pilier international lourdais. Hein, donc c'est un lourdais qui joue à Tarbes. Mais bon, des fois c'est comme si un Limouxin ou un Lusignané jouait à Carcassonne. Et ensuite, nous avons bien sûr à ses côtés en troisième ligne Saint-Guilhem et également un autre sud-africain, Massine. À la mêlée, Duluc. À l'ouverture, Berbizier,
un nom qui vous dit quelque chose également. Alors ce n'est pas le fils de Pierre, ce n'est pas non plus son neveu, c'est le fils de son cousin Germain, mais il y a donc un vrai lien de parenté. Il joue à l'ouverture alors que traditionnellement il est plutôt arrière. Ensuite nous aurons un ailier Paulet. Alors Paulet c'est un pourproduit de Tarbes. Johan Paulet, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, d'ailleurs, Tarbes. Très fidèle au stade Johan Paulet, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, d'ailleurs, Tarbes. Très fidèle au centre Nazo, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, d'ailleurs, Tarbes. Au centre Nazo, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, d'ailleurs, Tarbes. Au centre Nazo, et à l'arrière, Guillaume Jeunet, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, et à l'arrière, Guillaume Jeunet, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, et à l'arrière, Guillaume Jeunet, qui est en train de passer ses diplômes d'éducateur, et à l'arrière, Guillaume Jeunet, Léo Daré Latour et Saki Burei Takiyasa. Alors écoutez, on va dire Saki, si vous le permettez, ça ira plus vite pour la retransmission. Donc Léo et Saki sur les ailes. Une paire de centres classiques, puisque vous savez qu'il y a la blessure de Jérémy Toa, que nous saluons, et de Pierre Aguillon. Et donc nous avons une paire de centres composée de Jordan Pouletoua et de Tutula Vaeva. À l'arrière, Maxime Gianet, remplaçant donc Petriashvili, Lorenzon, le premier, Florent, Fabien Lorenzon de l'autre côté, bien sûr, Marius Iftimichuk, notre Roumain, Valentin Cessé, en demi-mêlée, Martin Landaro, Bilal Fadli également, remplaçant, qui fait son retour sur la feuille de match. Et nous avons Damien Hanon comme remplaçant polyvalent, on va dire, à l'ouverture ou à l'arrière. Voilà. Les 30 acteurs rentrent sur le terrain. Le coup d'envoi va bien être donné sous la direction donc, de l'arbitre central, M. Ludovic Saccaro, qui d'ailleurs, après le match, vite prendra son véhicule, puisque demain, il sera quatrième arbitre sur le derby de l'Atlantique entre La Rochelle et Bègles-Bordeaux. Voilà, donc le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. On espère que vous allez passer ce soir une belle soirée avec nous et souhaitons-le qu'il puisse se couronner par, bien entendu, un succès. Coup d'envoi donné par Gabin Miché avec un premier ballon qui est récupéré par Alexis Armani. Sortie de balle par les Tarbés, un coup de pied de Berbizier qui monte une chandelle qui va retomber à hauteur du milieu de terrain. Mais nous avons Gabin Miché qui est bien pris à la réception du ballon, mais qui maîtrise quand même sa réception. Sortie de balle pour Gaëtan Pichon, bien protégé par Ertien Ergent. Pichon pour Romain Mankia, première charge de Romain. Libération de balle à nouveau pour Gaëtan Pichon avec Raphaël Carbou qui vient en protection. On fait un petit train, coup de pied de Gaëtan Pichon qui monte une chandelle. Karl Ferns à la réception, non, il est pris. Le ballon est pris par les Tarbés qui vont pouvoir se libérer par Thibaut Duluc. Thibaut Duluc donc qui va appeler un jeu au pied. Voilà, il fait faire un petit train avec son talonneur Florian Lamotte. Il va se servir donc de son pied gauche, Thibaut Duluc. À nouveau qui monte une chandelle. Chandelle, Saki à la réception. Très belle réception de Saki, quasiment sur la ligne médiane. Pichon, Pichon pour Dédé Urzaké. Dédé Urzaké dans son style caractéristique qui s'accroche et plaqué, tombe au sol. Sortie de balle propre, Pichon, Miché, attention, qui contrôle son ballon, c'est bon pour Vaeva. Et une balle immédiatement pour Romain Guyot qui touche son premier ballon en tant que numéro 6. On est légèrement dans le camp du stade au Ceste. Miché pour Mankia pour
Jordan Pouletou à tentative d'interception, mais c'est repris par Vaeva. Avec Étienne Hergent, le défenseur tarbé qui glisse, Saki qui prend l'extérieur, qui est plaqué, sortie de balle, Michon. Michon pour Carl Ferns. Carl Ferns qui fait parler sa puissance sur la ligne des 40 mètres. Tentative de grattage tarbé, mais le joueur n'est pas sur ses appuis. Et donc ce sera un avantage pour les Carcassonnais qui le jouent avec Miché. Miché pour Jordan Pouletou, longue passe à hauteur pour Romain Guyot. Romain Guyot qui est pris, la perte va revenir immédiatement donc à l'avantage. Voilà, donc un début de match on va dire assez équilibré, mais une première pénalité en faveur des Carcassonnais sur la ligne des 40. Voilà, vous êtes déjà plus de 300 à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle également que vous pouvez bien sûr commenter sur notre chat. Merci pour tous vos commentaires. On nous signale un problème son, mais c'est bon, je crois qu'il est résolu. Il y avait un écho permanent, mais nous avons réussi à le résoudre. Donc cette tentative au but va être prise par Gaëtan Pichon. 41 mètres, un petit peu plus, 42-43 mètres des barres. Première tentative. Voilà, donc de nombreux commentaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et à venir commenter le match, bien entendu, en toute neutralité, puisque nous assurons cette retransmission. Je ne voudrais pas que, comme à Périgueux, je sois zéro proche sur le chat de la part de supporters qui me trouveraient trop chauvin ou alors qui pensent que je veux arbitrer à la place de l'arbitre central, M. Saccaro. Allez, tentative de pénalité donc, de la part de Gaëtan Pichon. A noter qu'il n'y a pas du tout de vent ce soir, il faut le remarquer. Des conditions idéales, 14 degrés, il a fait un beau soleil et nous sommes illuminés par la chaîne des Pyrénées et notamment par le pic du Midi de Biarritz qui règne au-dessus de nous. Allez, tentative de Gaëtan Pichon. 42 mètres, Gaëtan qui s'élance. Le coup de pied part pas trop mal. Belle tentative qui passe entre les barres. Et une très belle pénalité et une ouverture du score donc, de la part de Gaëtan. Et donc, après maintenant 3 minutes et 20 secondes de jeu, nous avons nos jaunes et noirs qui prennent le score et qui mènent donc 3 à 0. Voilà, ça part de la meilleure des façons. Je voudrais profiter des quelques secondes qui me sont données pour adresser un amical salut à Arthur Méret. Arthur Méret d'Établier Bleu, qui avec toute son équipe nous regarde. Je voudrais le saluer. Il ne peut pas être avec nous, il est dans sa cuisine, mais on le salue très amicalement, le sympathique Arthur. Allez, une grosse charge de Carl Ferns qui déroule sur une quinzaine de mètres. C'est un tracteur. Malheureusement, il perd le ballon. Et donc il y a un léger en avant, mais une très belle charge de Karl qui a réussi à se sortir de l'emprise tarbaise dans ses 22 et à remonter quasiment jusqu'à la ligne des 40 où malheureusement son ballon n'a pas été arraché, il y a eu un en avant. Et donc c'est une première mêlée à laquelle on va assister avec une introduction donc pour Duluc, le demi de mêlée tarbé. Donc premier duel en première ligne, on va voir quel va être le comportement de notre triblette Urzake Karbou Narmania. Mathieu Brubala qui nous salue également, merci pour le live. Salut Mathieu, en tant que fidèle supporter de l'USC, on sait que tu fais de très très nombreux déplacements, tu ne peux pas malheureusement être à nos côtés ce soir, mais amical pensée bien entendu. Allez Gilou, également de la part de K-pop danseur, merci, merci beaucoup pour cette pensée plus qu'amicale. Une mêlée qui est à refaire, mêlée à refaire. Voilà, puisque on n'a pas eu une bonne prise d'appui, monsieur l'arbitre estime qu'il y a un problème de liaison au niveau des premières lignes. Donc on va refaire. Ulysse, qui remercie les commentateurs. Salut Ulysse également. N'hésitez pas à commenter. Hein. Voilà. Mathieu Mirmi. Bonjour Mathieu. On sait que tu es également un fidèle téléspectateur. On profite de ces temps libres, hein, bien entendu, pour saluer tous ceux qui nous soutiennent et qui seront très très nombreux à Domecq pour le derby il y a 15 jours. On ne doute pas qu'on va remplir les tribunes. Allez, introduction maintenant pour Thibaut Duluc. Donc, première mêlée. Première mêlée, donc, qui est stable. Stable, sortie de balle propre. Duluc pour Berbizier. Berbizier qui sert maintenant Nasoko. Nasoko qui est bien pris par Romain Guyot. Sortie de balle pour Armari. Ballon propre à l'entrée des 22 pour les Tarbais qui change inversion de sens avec Berbizier. Berbizier pour son ailier. Ce n'est pas Rawaka, il y a inversion des maillots. Ouais, c'est Johan Paulet. Les Tarbais qui reviennent au centre du terrain. Donc, quatrième libération de balle. Montée rapide de la part de Narmania, mais qui manque son plaquage avec une échappée de Tofa maintenant. On est à une quinzaine de mètres de la ligne carcassonnaise.
Nouvelle charge de Léon Massine, le troisième du centre sud-africain. Sortie de balle du Luc. Du Luc pour Paulet. Et très bon plaquage de Vaeva. Et coup de pied sûr avec Léo Daré Latour, qui est très rapide, très rapide et qui est en train de prendre le dessus. Léo dans une course folle. Il est poussé. Il est poussé au moment de taper dans le ballon. L'arbitre pourrait sincèrement lever le bras. Mais bon, pas de chauvinisme. Je ne voudrais pas avoir des commentaires négatifs de la part des amis tarbés, mais sincèrement, on aurait la vidéo, on pourrait revoir l'action. Mais à l'entrée des 22, au moment de pouvoir taper dans le ballon, Léo a quand même été légèrement bousculé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça méritait peut-être une petite couleur de carton, et du moins une belle pénalité. Mais bon, l'arbitre ne l'a pas vu, il était mal placé, il était juste à 10 mètres de l'action. Voilà. Et l'arbitre de touche, bien entendu, ne pouvait pas le voir non plus. Allez, on arrête avec l'arbitrage. Il fait partie du jeu, n'en parlons plus, c'est ainsi. Allez, donc lancer en touche pour les Tarbés. Premier lancer en touche pour les Tarbés. On va voir si le contre Carcassonné est efficace. Allez, avec une percée plein champ de la part de Léon Massine. Sortie de balle rapide sur les 40, mais nous avons... un carcassonné à la personne de Gaëtan Pichon qui est sanctionné pour avoir essayé d'empêcher la libération rapide du ballon. Et une pénalité donc avec la touche qui est trouvée sur la ligne des 40. Ulysse, il faut du chauvinisme, c'est la moindre des choses. Vous avez bien raison. Merci. Allez, lancez ligne des 40 pour... les joueurs donc du stade Otarbe Pyrénées Rugby. Deuxième lancé donc par Florian Lamotte. On a vu un lancé très propre tout à l'heure et une première prise de balle de qualité. Toujours 3-0 donc pour nos Carcassonnais. Allez, il serait heureux d'avoir un bon contre en touche. Lancé en fond de touche et prise de balle par Francis Roland. Sortie de balle donc pour Lamotte qui charge. Il est bien stoppé par Carl Ferns. Attention, Karl s'est légèrement fait mal, mais avantage pour les Tarbés. L'arbitre estime que nous sommes en position d'hors-jeu, donc il y a un avantage à suivre, une pénalité Berbizier. Berbizier pour son arrière Camus. Camus qui est pris, et donc Monsieur Saccaro revient à la pénalité. Une pénalité à 36 mètres des poteaux. Certainement, les Tarbés vont prendre les 3 points. Merci Guillaume pour ton commentaire fort sympathique. C'est très gentil à toi. On te salue, on t'embrasse et on te souhaite toute réussite professionnelle, bien entendu. Et on n'en doute pas. Allez, pénalité donc pour les Tarbés, 36 mètres face au bar, qui va être tenté donc par leur demi d'ouverture, Mathieu Berbizier. Et voilà, nous avons le plaisir d'avoir Clément qui va maintenant nous rejoindre pour nous délivrer ses analyses techniques. Je vous l'ai dit, c'est toujours au bout d'une dizaine de minutes. Voilà, Clément arrive, il va pouvoir s'installer... à nos côtés, et donc il va nous faire part de sa connaissance, de sa technicité et de sa bonne appréhension du jeu. Voilà. Allez, donc tentative de pénalité Tarbèze, 36 mètres face au bar par Mathieu Berbizier. Mathieu Berbizier, voilà, ça part bien, ça passe le poteau et finalement ça rentre. Voilà. Un petit peu de chance, un poteau rentrant et donc égalisation de la part des Tarbés. 3 partout au bout de 10 minutes de jeu. Voilà, donc on va dire que les débats sont assez équilibrés. Donc finalement, le score reflète bien le début de la partie. J'en profite pour saluer donc l'arrivée de Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil. On espère que Carcassonne va nous faire un bon match. C'est ça. Eh bien, écoutez, Clément... tu as manqué le début de la retransmission puisque tu étais encore dans le vestiaire après la participation à l'échauffement en tant que suppléant. Mais tu vois, voilà, un ballon qui est sorti immédiatement avec pour Léo Daré Latour qui s'échappe, qui arrive aux 15 mètres, mais qui malheureusement est propulsé en touche. 3 partout, 11 minutes de jeu. Okay, bah super, j'avais raté le début. Voilà, des débats assez équilibrés. Au moins, maintenant, je suis... Alors Clément, on te rassure, pour le moment on n'a pas vu de grandes envolées, mais on voit une partie qu'on peut qualifier de correcte. D'accord. Avec un bon engagement des deux côtés, deux bonnes mêlées, deux bonnes touches de la part des Tarbés, une occasion pour les Carcassonnais avec un coup de pied à suivre que Léo Daré Latour n'a malheureusement pas pu récupérer dans la profondeur. Mais pour le moment, donc des débats assez équilibrés. Lancé donc Tarbé par Florian Lamotte.
troisième à l'instant de touche. Ils ont capté les deux premiers. A-t-on le contrer? Non, fond de touche pour Armari. Du Luc pour Berbizier qui fait jouer son pied gauche et qui va trouver donc une touche. Non, Léo Daré-Latour à la réception sur la ligne 40. Léo Daré-Latour qui tente de passer et qui arrive à l'entrée des 22. Il s'est infiltré entre deux défenseurs tarbés. Sortie rapide, Pichon pour Ferns. Ferns pour Étienne Ergent sur la ligne des 22. Ferns sous soutien. Pichon pour Miché. Miché qui attaque la ligne. Aïe, qui a failli passer les bras mais qui n'est pas arrivé. Pichon à nouveau pour Ferns qui fait parler sa puissance et qui rentre vraiment là, comme on le sait, c'est son rôle hein, en tant que troisième ligne centre. Maintenant le ballon pour Romain Manquia. Romain qui est pris, mais qui libère son ballon intelligemment, qui arrive à le reprendre et qui se relève avec une sortie Pichon. Pichon pour Jordan Pouletou, qui ne se pose pas de questions, qui attaque. Tel un V2, la ligne d'avantage. On redonne à Saki. Saki à l'intérieur qui est pris. On est à peu près aux 15 mètres. Avec sortie de balle donc pour Gaëtan Pichon. Un peu lente, mais bon, Raphaël Carbou. Carbou pour Miché. Miché pour Vaeva. Vaeva qui attaque la ligne, mais qui est pris malheureusement. Un grattage de Tarbé. Pénalité pour Tarbes. Voilà. Dommage, bien bon contest des Tarbés. Qui était bien orchestré. Didier Carrière, je vous rejoins dans votre commentaire sur le chat, effectivement. Mais bon, c'était ici, on fait avec. Allez, donc touche en faveur des Tarbés. Quatrième lancé déjà, hein, au bout de 12 minutes de jeu. Pour les Tarbés qui pour le moment sont à 3 sur 3, donc une touche propre et efficace. Allez, quatrième lancé donc pour les Tarbés. Voilà, toujours 3 partout, 13 minutes. Je vous le rappelle, des conditions tranquilles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Une assistance pas très nombreuse, on va compter 1500 personnes, pas de vent, pas de pluie. Des conditions très agréables pour jouer au rugby. Exactement. Ouais. Un temps quasi printanier. Ouais. C'est parfait. Pas comme nos deux derniers matchs. C'est sûr. Dans lesquels nous avons passé on a essuyé des moments plus vieux. Le match au Périgueux qui avait été assez dantesque, c'est le moins qu'on puisse dire. On a pris un petit arrêt de jeu puisque Francis Roland, le second de ligne tarbé, se faisait soigner. Allez, lancé pour Florian Lamotte. Je le rappelle, 3 sur 3 pour le moment à la touche. Va-t-il faire un 4 sur 4 ? Eh oui, avec Armari qui prend le ballon. Sortie du Luc. Du Luc pour le 8, Len Massine, qui, à l'image de Karl Ferns, s'est fortement utilisé à ce début de partie. Coup de pied de Berbizier, avec sur les 40, Saki qui smatche son ballon, mais récupéré par Gaëtan Pichon. Pichon qui est immédiatement pris par l'agressivité tarbaise. Mais belle protection de balle du côté carcassonnais. Et donc Raphaël Carbou qui fait signe à ses coéquipiers, qui donne sa balle à Karl Ferns. Voilà, qui a pour mission de gagner des mètres. C'est bien déblayé. Voilà, c'est bien déblayé. Et nous avons un Tarbé qui est passé par le côté du regroupement, visiblement. Signale l'arbitre. Pénalité pour nos petits jeunes. Voilà. Donc l'occasion d'aller chercher peut-être une bonne touche. Aux 30 mètres environ. Voilà, Gabin Miché qui trouve une touche. Exactement, mais ce ne sera pas aux 30, mais aux 40 mètres. L'arbitre avait vu la ligne déjà. Voilà, légèrement donc dans le camp tarbé. On nous signale que le son est un peu bas. Salut à toi Henri également. Merci pour ta fidélité à l'USC. Allez, lancé pour Raphaël Carbou. Et Romain Guyot qui prend le ballon à deux mains. Allez, première tentative, plein cœur du terrain pour notre centre Vaeva. Sortie de balle pour Pichon. Pichon pour Ferns. Ferns qui va tout droit. Il est pris. Gaëtan pour Gabin Miché. Gabin Miché qui attaque à nouveau la ligne, qui arrive à passer les bras pour Raphaël Carbou. Raphaël Carbou pour... relais avec Pichon, et Jordan Pouletois qui rate au centre du terrain, qui fait parler toute sa puissance et qui maintenant arrive à peu près à 17 mètres de la ligne. Sortie à nouveau pour Pichon, Pichon pour Miché. Miché avec Karl Ferns en bout de ligne qui donne un ballon absolument magnifique à Étienne Ergent pour Léo Daré-Latour et un essai superbe. Magnifique essai de Léo Daré-Latour sur cette combinaison avec une remise à l'intérieur d'Étienne Ergent. Un essai absolument magnifique signé de Léo Daré-Latour qui avait déjà marqué la semaine dernière. Très très bel essai apprécié par les quelques carcassonnés présents ce soir dans les tribunes comme Jean-Philippe Sauviac,
Jacques Azibert ou bien entendu Benoît Mestre, notre président, ainsi que Julien, son fils, qui sont comme toujours à nos côtés. Voilà. Amical salut également à Daniel, qui est juste à côté de nous, et une tentative donc de transformation de la part de Gaëtan Pichon. Clément, petit commentaire sur cet essai qu'on vient de voir. Ben, très belle action collective, on arrive à être dans l'avancée, la moitié de l'équipe arrive à rester debout, on joue dans l'axe, on fait des offloads, on tient le ballon, on crée des décalages et une bonne, on conclut bien avec à l'image de Léo Daré Latour, donc très belle séquence de Carcassonne. Un bel essai d'ailier, on va dire. C'est ça. Qui est le grand spécialiste du poste. Voilà, un vrai avec essai d'ailier. Une belle envolée d'Étienne Argent aussi. C'est vrai, ouais. Avec une belle dextérité, balle en main, hein, qui arrive Exactement. À remettre à l'intérieur. Très habile, parce qu'il est pris à ce moment-là par le plaquage de Tarbé. Allez, tentative de transformation de la part de Gaëtan Pichon. Le ballon s'élève très bien. Belle trajectoire du ballon. Et malheureusement, le ballon est légèrement à droite. Mais bon, nous menons 8-3. Voilà. Après cette très belle action et ce très bel essai. Alors Clément, nous avons un commentaire de Martin qui se demande comment s'appelle ce nouveau commentateur charismatique sur nos antennes. Voilà, un commentaire de Martin, visiblement vous devez bien le connaître, je suppose. Ah oui, effectivement, il y a mon frère sur le live. Je lui Réception fais un énorme Saki bisou. Et bon dégagement de Gabin Michet. Mais une balle récupérée par l'arrière Tarbé. Camou qui relance à hauteur de 40. Qui passe le plaquage de Michet, qui échappe pas. Par contre, un Armagnac qui le prend en entrée des 22. Belle relance de l'arrière Tarbé. On sent quand même cette équipe animée par des intentions. Le talonneur Florian Lamotte en possession du ballon. Mis au sol par Karl Ferns. Attention, les Tarbé immédiatement veulent relancer la machine. On a mal assuré notre sortie de camp. Et ils se montrent maintenant un peu virulents et offensifs avec leur centre Nasoko. Sortie de balle Duluc. Duluc pour Berbizier. Bien arrêté. Très très bon plaquage de Romain Guyot. Libération de balle Duluc. Duluc Berbizier. Et maintenant Paulet. Paulet la passe à hauteur pour Rawaka. Sortie Duluc pour Toffa, le Togien, qui fait parler sa puissance, mais qui est pris, bien pris par Carbou et Urzake. Berbizier, ah, Berbizier qui commet un en avant. Le ballon lui a échappé des mains au moment de transmettre. Bonne séquence défensive de notre équipe, qui met à la faute les Tarbés. C'est vrai, on a vu, je crois que c'était le sixième temps de jeu, et donc on a vu une défense qui pour le moment est bien en place, qui est efficace, et qui met même quelques jolis bouchons, on l'a vu à l'image de Raph et de Dédé, qui ont été très présents sur la charge de Toffa, qui n'est pas le moindre des éléments, vu sa tonicité et sa puissance. Allez, une mêlée donc avec introduction pour nos carcassonnés. Salut Pierre Escourou, merci également pour ton commentaire et ta fidélité. 19 minutes de jeu, introduction donc pour Gaëtan Pichon. Nous menons donc 8-3, un match plaisant, un match très plaisant à regarder pour le moment. Une deuxième mêlée à l'image de la première où l'arbitre demande aux acteurs des premières lignes de se relever. Malheureusement, on n'a pas le micro-son de l'arbitre, donc on ne peut pas savoir ce qu'il leur indique. Visiblement, un problème de liaison ou un problème de non-respect de commandement, il ne faudrait pas qu'il sanctionne rapidement par un bras cassé ou une pénalité. On va voir ça. Allez, on voit que le nombre de spectateurs augmente d'ailleurs, et vous êtes maintenant plus de 500 à nous suivre. Ça augmente d'ailleurs au fur et à mesure des retransmissions. C'est très bien. À Périgueux, nous avions fini à plus de 1005 devant le live. Et voilà, la mêlée carcassonnaise qui est malheureusement sanctionnée. L'arbitre estime que Nicolas Narmania est allé au sol. Il le lui signifie. Pénalité donc en faveur des Tarbés qui, n'en doutons pas Clément, vont prendre les 3 points pour recoller Logiquement, au score. Logiquement, oui. Pour voilà. Recoller au score, il est plus logique, oui. Voilà, l'arbitre indique les poteaux. Voilà, l'arbitre indique les poteaux, donc pénalité donc pour les Tarbés. 21 minutes de jeu et ils vont aussi coller pour essayer donc de revenir à 8-6. Voilà,
Une équipe tarbaise qui produit du jeu, mais pour le moment, notre défense est très bien organisée. Nous arrivons à faire un barrage. Allez, une pénalité comme la première, face au bar, 34 mètres. Tentative donc pour Mathieu Berbizier. Voilà, et le ballon part tout droit et passe facilement entre les barres. Pas devant, condition simple pour lui. 8-6 donc pour les Carcassonnais. Avec à suivre donc une remise en jeu pour Gabin Miché. 21 minutes et 42 secondes de jeu. Voilà, vous avez entendu le commentateur qui nous a donné le score du stade, le speaker. Voilà, allez, réception de balle par l'arrière Camus. Camus pour son dynamique talonneur Lamotte. Ils sont sur la ligne des 22, mais ont sorti le ballon par contre. Donc ils ne peuvent pas se dégager directement en touche, sinon ce serait une directe. Voilà, donc coup de pied de Duluc. Grande chandelle sur la ligne des 40. Saki qui manque à la réception, mais il y a un Tarbé qui a touché le ballon. C'est Lélie Tarbé qui a touché le ballon avec son épaule. Et donc ça donne un en avant et une mêlée donc en faveur des Carcassonnais. Voilà, qui sont désormais donc dans l'occupation du camp des Hautes-Périgueux. Des Hautes-Pyrénées, pardon, parce qu'en même temps, je fais un bug puisqu'on me donne en direct le score de Périgueux qu'il a emporté aujourd'hui, donc qui vient naturellement donc nous recoller au classement. Périgueux qui a battu Chambéry. Et donc il se retrouve avec 34 points. Voilà. Allez. Donc on connaît la mission. Il faut conserver le score et l'emporter ce soir. Toujours des problèmes pour rentrer en mêlée. La précédente a été sanctionnée d'une pénalité en faveur des Hauts-Pyrénéens. Monsieur l'arbitre est assez vigilant sur le sujet. Il a changé, il a tourné. Il s'est mis cette fois-ci du côté gauche de la mêlée pour les Carcassonnais, donc côté Dédé Urzaké, alors que tout à l'heure, il avait au préalable sanctionné Nikos Narmania à droite. Allez, introduction pour Gaëtan Pichon. 8-6. 23 minutes et 38 secondes de jeu. Allez, une bonne mêlée. Une bonne mêlée. Voilà, elle est stable avec une légère avancée, mais le pilier gauche Tarbé me paraît être au sol. L'arbitre ne dit rien. Allez, Gabin Miché pour Vahé. Et très belle passe à hauteur avec Miché à nouveau pour Carl Ferns. Carl Ferns qui fait parler sa puissance sur à peu près les 30 mètres. Contre Ruck, Tarbé très efficace. Voilà, mais un Tarbé est passé au-delà du ballon. Clément. Un Tarbé est passé au-delà du ballon. Et donc l'arbitre vient pénaliser. Ben, ce sera pour donc nous une occasion de d'aller en touche ou bien de choisir les 3 points. Je pense, ah, je pense que face au bar, ça le vend. Ouais. On va peut-être prendre le score. Hein. Oui, c'est voilà. Vrai. Je pense qu'il on est plus lucide aussi de prendre les 3 points. Gaëtan a réussi cette première en pénalité. Et de réussir à prendre les 5 points d'avance. Allez, sur le chat, est-ce que vous pouvez me dire, parce que visiblement on nous signale quelques petits problèmes de micro me concernant, est-ce que quelques auditeurs ou téléspectateurs peuvent me dire si tout va bien, si on n'a pas de soucis, si vous pouvez me le mettre sur le chat s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez bien, est-ce que tout va bien? Allez, pénalité à suivre pour... Tout va bien, nous dit Ulysse, merci beaucoup, c'est parfait. Allez, pénalité donc à suivre pour Gaëtan Pichon. Elle est très belle et elle passe. Voilà, belle pénalité réussie par Gaëtan. Et voilà, nous reprenons donc 5 points d'avance et nous menons donc 11 à 6. Merci pour tous vos commentaires. Salut Laurence, bureau de tabac de Ville-Gaillen, qu'on te salue avec Denis. Quentin Reverdy à Limoux qui nous reçoit 5 sur 5. On vous salue également. Allez Clément, on est devant, 11 à 6. C'est parfait. Début de partie concluante.
On arrive à mettre de l'avancée sur nos ballons, on est plutôt propre, donc faut continuer comme ça jusqu'à la mi-temps. Allez, on assure là une bonne réception et une bonne sortie de terrain avec l'arbitre qui donne un avantage puisque Tarbé est venu s'introduire illégalement dans cette chariote qui était en pleine progression, ce groupe est pénétrant, bien mené de main de maître par nos deux chauves, Raphaël Carbou et Karl Ferns. Les duettistes. Voilà, nouvelle pénalité. Dès qu'on fait jouer un peu notre puissance, on sent qu'on est dominant quand même dans ce secteur. Une belle sortie de camp en tout cas. Et donc une tentative de touche. Voilà. Elle est trouvée. Un peu similaire à tout à l'heure. Hein, presque sur la ligne médiane par Gabin Miché. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne sortie de camp pour nous. Après 26 minutes de jeu. Voilà, vous savez qu'à Tarbes, on n'est pas loin de Lourdes. Comme nous signale sur le chat l'ami Alain Dagiral. Non, nous ne sommes pas passés par la grotte aujourd'hui. Nous ne sommes pas allés chercher de l'eau bénite de Bernadette. On est venu directement à Maurice Trélu. Et l'ancien touché et Romain Manca qui prend le ballon. Pichon Miché, Miché pour Pouletoua. Pouletoua pour Vahe. Oui, qui rentre dans la ligne, qui est pris sur la ligne des 40. Bonne sortie de balle rapide pour Pichon. Léger hors-jeu de la défense tarbaise, non vu. Karl Ferns pour Vaeva et Nikos Narmania. Bonne balle pour Carbou. Ça joue avec Jordan Pouletoua. C'est un peu stérile, mais on se passe bien le ballon quand même. Il y a une certaine dextérité. Techniquement, c'est pas mal. Karl, par contre, qui lui revient à nouveau dans le trafic. Libération pour Gaëtan. Gabin. Faute identique à celle de Berbizier tout à l'heure. Exactement. Au moment de faire... Alors, le ballon est-il un peu glissant ? Peut-être, Clément, vous qui tout à l'heure vous êtes échauffé. Est-ce que le ballon est un peu glissant quand même ? Les conditions sont un peu humides peut-être ? Je pense qu'il y a une certaine différence déjà avec les ballons, car nous on ne s'entraîne pas avec des B-rugby. Et c'est vrai qu'ils prennent pour moi plus l'humidité les B-rugby que les Gilbert. Et c'est vrai que les ballons de Tarbes étaient légèrement humides avec la rosée du soir. D'accord, donc, ça explique peut-être ces deux passes manquées de façon assez caractéristiques et oui. D'ailleurs similaires hein, entre nos deux demi d'ouverture qui ont vrillé leur passe. Hein, exactement, c'est quand on veut forcer une passe, ouais. Souvent en voulant forçant, ça peut ripper dans des mains et commettre un en avant. Alors c'est assez rare puisqu'on a vu exactement la même action des deux côtés à quelques minutes d'intervalle. C'est vrai. Exactement la même action. Salut également à la boucherie d'El Pais sur le plateau de Grazaille qui nous regarde. On en profite chaque fois pour commenter vos impressions sur le chat et on est très heureux bien sûr de votre fidélité. Plus de 600 désormais à nous suivre. Un petit arrêt de jeu puisque côté carcassonnais, on en profitait pour soigner Romain Guyot qui était très légèrement touché. Rien de grave, également Saki qui se plaignait un petit peu d'un doigt visiblement. Voilà. Allez, on en profite également pour, pendant cet arrêt de jeu, saluer Gary Graham, qui, rappelons-le, donc, a été lourdement suspendu suite à l'Algarade intervenue en fin de match à Périgueux. Il a été suspendu lourdement de 5 matchs, mais le club a fait appel de sa décision, Gary également. On espère une issue beaucoup moins douloureuse, plus confortable à la section, dans les 8 jours à venir. Avec un changement donc côté Tarbé, puisque nous avons la blessure de Rawaka, qui a été remplacé, je pense, par Thibaut Trotta, si je ne dis pas de bêtises. Allez, mêlée pour les Tarbés. Sortie pour Berbizier. Berbizier pour le premier ballon de... Attention, Gabin Miché qui est pris mais qui arrive à se glisser entre les jambes de Descoubé qui venait de rentrer, qui avait tué son premier ballon. Sorti pour Jordan Pouletoua. Jordan Pouletoua qui gagne 7 ou 8 mètres. Romain Manquet en protection du ballon. Il n'y a pas de Gaëtan qui attend de pouvoir être aidé de façon à compléter la chaîne et de pouvoir avoir beaucoup plus de recul pour assurer sa sortie de balle. Gaëtan donc avec son bon pied droit qui va tenter de donner de l'air à ses troupes et qui va trouver une très belle touche de la part de Gaëtan. Excellent très bon coup pied de droit pied. De Gaëtan. Clément, vous avez pu apprécier la beauté du coup de pied de Gaëtan, fluide. Voilà l'importance des sorties de camp au rugby, très important pour s'éloigner de nos lignes de marque. Et tout de suite, alors qu'on vient de prendre la marque, qu'on mène aux assises se libérer de cette pression. Exactement. Parce qu'on sent quand même cette équipe tarbaise joueuse.
Allez, nouveau lancé. Pour le moment, on n'a pas piqué une touche. Il serait peut-être de bon ton de le faire maintenant. Et voilà, je l'ai dit. Étienne Erjan l'a piqué. Avec Raphaël Tarbou. Ah, mais par contre, on refaire le ballon. Mais il y a un en avant côté Tarbé. Allez, ça y est. En avant on a piqué Tarbé, la première touche du match. Étienne Erjan a réussi à bien lire la trajectoire. C'est une bonne chose. Merci Christophe Bardot qui nous salue depuis Périgueux et qui nous informe donc que le CA Périgourdel a emporté 18-0 contre Chambéry. Et écoutez, en tout cas, côté Périgourdel, c'est un très très beau début de saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Trustez le haut du tableau alors qu'on vient de la division inférieure. C'est une performance absolument remarquable. Voilà. Allez, donc suite à cet en avant Tarbé, donc une mêlée. À l'avantage donc des jaunes et noirs sur la ligne des 40 mètres. Les Tarbé qui allaient peut-être procéder à un deuxième changement. Non, visiblement ce ne sera pas le cas. Le joueur a remis son chasuble. Voilà. Pour le moment, une bonne maîtrise quand même du match. On n'est pas véritablement bien en danger, mais on sent que ce genre de match qui se joue à peu d'écart peut après basculer. Donc il serait peut-être temps de prendre un peu plus le score. Exactement. On sent que notre équipe en tout cas est plus dangereuse et en a les possibilités. Globalement, on fait une bonne partie. Après, il faut rester plus régulier sur nos avancées. Et allez mêlée sur les 40. Camp. Bonne mêlée. Voilà, une mêlée très stable, c'est très bien. Même légère avancée carcassonnaise. Très belle poussée. L'arbitre donne un bras cassé parce qu'il estime que Raphaël Carbou n'a pas talonné le ballon. Voilà, malheureusement. Avec le demi de mêlée du Duc qui le joue très vite, ce bras cassé qui s'échappe, qui reprend le ballon pour lui-même. Florian Lamotte qui fait un en avant. Voilà. En avant des Tarbé dans la précipitation. Qui nous donne une mêlée dans nos 22. Voilà, malheureusement, 22. Donc, cette mêlée sera aux 25 mètres, alors que tout à l'heure, on était quand même sur la ligne médiane. On a reculé, simplement parce que l'arbitre a estimé que Raphaël donc, n'avait pas talonné le ballon. Il avait raison, hein, c'est indéniable, c'est une règle qui est réelle. Voilà. Et par contre, côté Carcassonnet, donc la sortie de Karl Ferns. Espérons quand même que ce n'est rien de grave concernant Karl. Hein. On va bien entendu vous tenir au courant et on va se renseigner. Parce que quand on voit Karl sortir, ça nous inquiète toujours. Hein. Voilà. Rentrée de Bilal Fadli. Ouais, Fadli donc qui fait une rentrée. En troisième ligne. Ouais, troisième ligne. Et donc c'est Romain Guyot qui va passer à 8. Karl se plaint légèrement du bas du dos. On va voir quelle va être l'évolution des choses. Mais c'est vrai qu'après avoir perdu Graham sur suspension, perdre Karl Ferns ne serait pas une très bonne nouvelle. Voilà. Allez. Bonne poussée carcassonnaise. Sortie de balle propre. Avec Vahe qui attaque le centre du terrain. Je dis Vahe, c'est alors que c'est Vahe, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Clément Fontaine, mais hors jeu de la ligne Tarbaise. Arbitrage pour le moment, il faut le dire, hein, de qualité de la part de l'arbitre oui. Monsieur Saccaro, qui remarque de façon très impartiale l'ensemble des fautes d'aller de camp. Merci aux supporters toulousains également présents à nos côtés. Plus de 700 maintenant. À nous faire part de votre fidélité. Et une touche donc pour les Carcassonnais à hauteur à peu près des 30 mètres. Allez, peut-être va-t-il être temps maintenant d'enfoncer le clou et de marquer réellement l'adversaire en prenant définitivement, ou du moins avant la mi-temps, de marquer les esprits et de pouvoir un peu s'échapper au score. Voilà. On vous donnera après la mi-temps quelques nouvelles de Karl Ferns. Hein, on n'hésitera pas à allez en prendre. Voilà. Allez, lancé de Raphaël Carbou. Deuxième touche pour les Carcassonnais. Avec une prise de balle de Fontaine, mais ballon qui est contré. Voilà. Et en avant Tarbé à la réception. Ah, non vu par l'arbitre. Il estime que le ballon n'est pas parti en arrière. Mais c'est une touche directe. Direct. Puisque le joueur Tarbé avait sorti le ballon de ses 22. Exactement. Et voilà, c'est une touche directe. Donc on revient sur la ligne 22. Mais je pense qu'il y avait un petit en avant quand même à la base. Ouais, l'arbitre aussi, revient j'ai vu à l'en avant. Un léger en avant. Voilà. Voilà. Et donc l'arbitre de touche l'avait vu. Voilà. Voilà. On l'avait bien vu, Clément. Exactement. Voilà. On l'avait vu très léger en avant. Pour il n'y a pas, rappelons-le, de petit en avant. Il y a un avant ou il n'y a pas un avant. Exactement. Voilà. Clément Fontaine qui est au soin, il se fait strapper la cheville gauche, ou du moins la chaussure. Là. Voilà. Merci encore pour votre fidélité.
Merci également à Daniel Garcès et à Mickaël Bonjour, vous qui rentrez du challenge des 14 à Béziers. J'espère que votre résultat a été positif et que vous avez passé une excellente journée rugbystique chez les voisins et amis bitérois. Et qu'on vous donne beaucoup de plaisir ce soir depuis le stade Maurice Trélu. Allez, introduction de balle pour les Carcassonnais légèrement à l'intérieur des 22 Tarbes. Clément, on est impatient, on aimerait t'en voir là. Une belle attaque à l'image de ce premier essai de Léodard et Latour. On aimerait que ça se reproduise. Très bonne poussée de la part de nos couleurs et pénalité à suivre. Avantage. Allez, il faut la jouer, celle-là. En profiter. Avec Jordan Pouletoua, elle est bien belle joué. À l'extérieur à jouer. Léo qui reprend le ballon, qui va essayer de déborder, qui revient à l'intérieur. Léo qui est maintenant à 15 mètres de la ligne. On a un avantage à suivre, il faut le dire. Et donc, c'est un ballon gratuit, ballon. Une extra balle, comme on dit. Hein. Allez, ou extra ball. Toujours avantage pour nous avec sortie de balle. Donc maintenant pour Clément Fontaine qui fait parler sa puissance au centre du terrain. Renversement de situation de Pichon. Pichon pour Michet. Michet d'arrêt la tour. D'arrêt la tour qui est pris. Nous sommes à l'entrée des 22. Certainement un des derniers temps de jeu. L'arbitre après reviendra à la pénalité avec Jordan Pouletoua. Jordan Pouletoua qui passait les bras. Mais Fadli est pris. Voilà. Et donc l'arbitre revient à la pénalité. Voilà, l'arbitre revient à la pénalité, il sanctionne le pilier gauche. Quelques noms d'oiseaux fusent dans les tribunes tarbaises après l'arbitre. Voilà. Les supporters tarbais sont pas très contents. On nous prend à partie, Clément, joyeusement. Voilà. Bah écoutez, les noms d'oiseaux pleuvent sur nous, mais c'est pas on grave. On peut ressentir la frustration restons, des supporters tarbais. Et restons surtout dans le match, à l'image de nos couleurs. Quel va être le choix? C'est le choix de prendre les c'est 3 le points. C'est le choix de prendre les poteaux. Voilà. Choix de prendre les 3 points de la part de Gaëtan. Il a raison, hein, compte tenu pour le moment de la réussite au pied, il faut le dire, hein, puisque Gaëtan est à 2 sur 3. Donc, espérons qu'il soit à 75% dans une minute. Clément, cette mêlée sanctionnée côté Tarbé. Belle poussée carcassonnaise qui met donc tout le groupe dans l'avancée, qui nous permet de récupérer une pénalité et éventuellement de récupérer 3 points en fonction de la prestation de Gaëtan. 3 points à la 38e, ça ferait du bien, ça nous permettrait d'avoir une marque, un essai d'avance. Hein, oui. Puisqu'on serait à 14 points. Marge d'écart avant la mi-temps ferait le plus donc grand bien serait au groupe. Pas mal. Allez, Gaëtan Pichon pour la tentative. Elle part bien cette balle, elle est belle. Et oui, voilà Clément, 14 à 6, très belle pénalité de Gaëtan Pichon. Magnifique, très beau coup de pied. Voilà, les Carcassonnais qui prennent 8 points d'avance. Très bien. Très très bonne entame de match. Pour le moment de nos couleurs, maintenant il reste une minute de jeu. Donc là Clément, ce qu'il faut c'est assurer une bonne sortie de camp. Assurer une bonne sortie de camp pour éviter de prendre 3 points... ou un essai avant la mi-temps et retourner au vestiaire avec le même nombre d'écart. Point. Allez, Romain Guyot qui prend bien le ballon à deux mains. Voilà. Saki qui part dans l'axe. Fadli, ballon propre pour l'Oman donc au sol. Sortie de balle pour Pichon. Pour Dédé Urzaké. Allez, Dédé qui conserve intelligemment la balle. Le petit train qui s'organise. Raphaël Carbou, Romain Mankia et Narmania. Qui vient également se poser pour assurer une longueur de pied tranquille à Gaëtan. Voilà. Pied de pression de Gaëtan, très haut, coup de pied très bien joué. À hauteur de la ligne médiane. Et en avant, duel aérien, qui peut en avant. À Romain Mankia qui récupère le ballon. Voilà, ah, mais Romain repère le ballon. On reviendra à la mêlée. Donc on revient au premier en avant. Voilà. Allez, il reste 10 secondes de jeu. L'arbitre mi-temps. Interrompt la partie, 39-52. Il a un chronomètre plus rapide que le nôtre, visiblement. Écoutez, en tout cas, fin de la première mi-temps avec un bel avantage donc, pour nos Carcassonnais. Première mi-temps propre, construite de qualité, Clément. Exactement. Un petit commentaire. Très content du groupe pour cette première mi-temps. Une mi-temps construite à l'extérieur. Il faut réussir à mettre les mêmes ingrédients pour la seconde mi-temps. Merci Clément. On se retrouve dans 12 à 13 minutes pour la deuxième mi-temps. Nous souhaitons vraiment pour nos couleurs la même réussite. Et merci encore pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Former Chasse pour Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. ASFO Grand Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez ASFO Grand Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. Vous avez vu, c'est Movember. C'est quoi le Movember? Venez, je vais vous montrer.
première chose pour Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. ASFO Grand Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez ASFO Grand Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. Retour de nos deux équipes sur le terrain. Allez, chers amis, nous voici de retour donc pour cette deuxième mi-temps. Clément est également parmi nous. Je suis présent. Allez, Clément est présent. On repart donc 14-6 donc pour les Carcassonnais. Entame de deuxième mi-temps avec un coup d'envoi qui va être donné par Mathieu Berbizier. Voilà, bonne deuxième mi-temps à toutes et tous. Vous êtes très nombreux à nous suivre, merci pour votre fidélité. Réception de balle avec un dégagement et une bonne sortie de camp, c'est essentiel, c'est ce qu'il faut faire de la part de Gabin Michet, mais quand même une petite touche trouvée, petite seulement touche trouvée. Au 25 mètres avec un lancer à suivre pour les Tarbés. Je profite de ce petit arrêt de jeu, de ce début de seconde mi-temps pour saluer un homme qui a profondément marqué l'histoire de notre club et qui est devant son écran, il nous suit avec attention. Je veux parler bien sûr de Frédéric Calamel, notre ami, qui a été un président absolument exceptionnel et à qui nous pensons très fort ce soir. Salut Fred devant ton écran. On sait que tu es à 300% avec le cœur jaune et noir. Allez, prise de balle pour les Tarbés, avec un groupé pénétrant et une bonne première tentative de la part des Tarbés qui essaie de progresser. Attention et qui à ce maintenant progresse, qui avance. Rentre à l'entrée des 22. Avec monsieur l'arbitre qui est vigilant, bien sûr, pour voir s'il n'y a pas de faute carcassonnaise. Pour le moment, c'est bien contré. Donc, les Tarbés, donc, ils vont au sol eux-mêmes naturellement. Il n'y a pas de faute. Et bien entendu, pénalité, comme il ne libère pas le ballon et comme nous avons bien contré ce mole, Clément, on reprend possession de la mêlée. Oui, reprise de la possession. Bonne défense de nos Carcassonnais qui ont bien mis la tête. On récupère une pénalité qui va nous permettre de nous dégager correctement de notre camp, on l'espère. Allez. On choisira la mêlée. On reprend bien, il faut maintenant assurer une bonne sortie de camp pour ne pas prendre la pression en début de deuxième mi-temps, bien entendu, voilà. Introduction donc pour Gaëtan Pichon. Allez Gaëtan, une bonne mêlée. Il nous faut, on sait que la dernière a été
légèrement sifflé par le public Tarbé. Et voilà, excellente mêlée avec le droitier Tarbé qui perd totalement la liaison. Qui perd l'équilibre et nous permet de récupérer une pénalité. Voilà, on récupère une pénalité et on va pouvoir se dégager sereinement. Gabin, il faut trouver une bonne longueur de touche. On rappelle les conditions météo idéales ce soir. Il n'y a pas un pet de vent, comme on dirait chez nous. Ça ne souffle pas au pied des Pyrénées. On est vraiment dans le calme plat sur les conditions météo. Ça nous change des dernières prestations à l'extérieur et notamment de Périgueux. Allez, Gabin qui trouve une touche à hauteur de nos 40 mètres, un peu courte quand même. Il faut le dire, malheureusement, on peut être très positif dans les commentaires, mais aussi noter hein, quand on espérerait avoir une touche un petit peu plus longue. Voilà, c'est pas le cas. Allez, on rentre de plein pied maintenant avec cette touche avec lancé Raphaël Carbou. 2 minutes 45 secondes de jeu, 1 seconde demi-temps. Lancé de Raphaël Carbou. Pour le moment, donc, nous choisissons l'option d'une touche à 5. Avec Romain Guyot qui se fait malheureusement contrer, mais ballon perdu. Raphaël n'a pas pu le récupérer. Sortie de balle pour Dunuc qui exploite son troisième milieu centre sud-africain, Massine. Toujours très puissant. Massine qui est mis maintenant au sol, mais ballon qui volé perd sa balle avec récupération. Et Gabin Miché qui choisit immédiatement qui tente le 50-22. Taper, qui cherche le 50-22. Est-ce qu'il va le magnifique trouver? Magnifique 50-22. Magnifique. Oui. Non, il n'est pas sorti. Le rebond n'est pas favorable. Le rebond qui n'était pas favorable, mais nous retrouvons quand même une touche à notre faveur sur la ligne des 40. C'était bien tenté de la part de Gabin. Finalement, peut-être nous a-t-il entendu. Oui. On l'a un petit. Je pense que le ballon n'a pas voulu nous écouter. Voilà. Écoutez, il a manqué juste quelques centimètres pour trouver ce 50-22. Ça aurait été vraiment une excellente chose. Nous avons quand même un bon lancement dans le 40 mètres des Tarbés. Allez, un lancé pour Raphaël Carbou. Raphaël Carbou et prise de balle pour Étienne Ergent. Avec Gabin Miché. Gabin Miché pour Jordan Pouletou, à centre du terrain. Jordan qui fait parler sa puissance. Un Tarbé qui ne sort pas. L'arbitre pourrait peut-être lever le bras. Il ne le fait pas. Gabin pour Vaé. Qui est pris au sol. Dédier Zaké Raphaël Carbou en couverture. Gaëtan Pichon. Qui libère sa balle pour Romain Manquia, Romain Clément en Fontaine. En avant de Clément Fontaine. Balle à hauteur, mais qui la tombe malheureusement. Ils vont profiter de l'avantage. Qui ne soit pas préjudiciable avec un contre Tarbé, mais qui tape immédiatement. Un très mauvais choix. Avantage de la part terminé. De Tarbé. Ballon récupéré par Léo Daré-Latour. Non, pardon, excusez-moi, par Maxime Gianet qui met un coup de pied à suivre. Voilà, et là donc. Nous avons une réception de balle qui est assurée par Gabin Miché. Gabin Miché qui monte une chandelle, mais chandelle beaucoup trop longue. Il n'y a personne à la réception, sauf que Berbizier manque son ballon. Et l'héros d'Aéré Latour qui essaie de le pousser au pied, mais qui le manque également. Petit coup de pied sur de Berbizier, mais Étienne Ergent, avec sa technique habituelle et un art du contre-pied formidable, qui met tout le monde dans le vent sur ce contre-pied. C'est un sort côté, peut-être petit fermé. Par Romain Manquia, maintenant une balle à suivre pour Gaëtan Pichon. Gaëtan Pichon pour Gabin Miché. Gabin Miché, Jordan Pouletoua. Jordan au centre du terrain qui crée un point de fixation. Sortie Pichon, Dédé Urzaké, non Raphaël Carbou qui tente de relancer dans l'axe. Merci. Allez, sortie pour Gaëtan. Gaëtan Pichon pour Gabin Miché. Gabin Miché qui monte une belle chandelle, peut-être un petit peu longue, mais réception donc de l'arrière Tarbé Camus. Mis immédiatement au sol avec Déo Daré-Latour qui attention, tente de gratter le ballon. Et qui malheureusement mis, est pénalisé. Il ne relâche pas le plaquage, c'est pourquoi on est pénalisé. Il doit bien relever les mains avant de pouvoir gratter le ballon. Donc pénalité pour les Tarbés. C'était bien tenté de la part de Léo, malheureusement l'exécution n'a pas été parfaite. Et l'arbitre donc... nous pénalise. Donc les Tarbés vont pouvoir se dégager et aller chercher la pénalité. On salue les amis du Verdun également qui sont devant leur écran. Salut Philippe, salut Pascal et qui nous signale bien sûr que les Catalans de l'USAP l'ont emporté face au Montpellier-Rennes dans le derby régional. Certainement pour la plus grande tristesse de notre ami Clément Doumenc que nous saluons également. Lancé à suivre pour les Tarbés. Attention couloir. Un salut également d'Huglo Volnier qui nous insulte sur le chat. Salut Hugo. Tes insultes, on les reçoit avec grand plaisir. On t'admire. Tu as un phrasé attention un français qui tu insultes fort, quand même. Agréable à lire. Allez,
Donc touche pour les Tarbés avec Gaben Miché. Gaben Miché, il est contré, donc Vahe qui donne pour Saki. Saki qui peut dédoubler. Attention à l'en avant. La passe est légèrement en avant. En avant de passe de Saki, malheureusement au contact, qui perd le ballon en voulant faire une offload. C'était quand même bien joué techniquement. Hein, c'était bien tenté, malheureusement. La réussite n'est pas là sur cette action. Allez, deux changements du côté Tarbé, donc avec l'entrée en jeu de Johnny Sebou que nous connaissons, hein, puisque je vous rappelle qu'il avait porté les couleurs de l'USC au cours de la saison 2018-2019. Et l'entrée également donc de Antoine Palis, et qui vont remplacer donc John Miss Erasmus, le Sud-Africain, et Francis Roland. Voilà, donc on fait rentrer du sang frais côté Tarbé. On va voir si cela a de l'influence sur cette introduction de Thibaut Duluc. Leur demi-de-mêlée, mêlée environ sur les 40 mètres. Dans le camp Tarbé, 8 minutes de jeu quasiment en seconde mi-temps. Pas de point pour l'Oman de marquer, toujours 14-6 donc pour nos couleurs jaune et noire. Allez, introduction de la part de Duluc. Avec bonne poussée carcassonnaise, le ballon est sorti. Qui sort rapidement pour Berbizier. Berbizier qui sert Camrosso avec un coup de pied à suivre de Camus. Maxime Jeannet qui est en couverture. Voilà, qui va pouvoir tranquillement dégager sa balle. Il était dans belle touche trouvée par Maxime. Une touche trouvée à peu près sur les 40 carcassonnais. Ouais. Bon dégagement sous la pression de Maxime. Clément, qu'est-ce qu'on peut dire de cette entame de deuxième mi-temps? On essaye de mettre du jeu, malheureusement ça nous a pas encore souri, mais si on continue comme ça, on devrait pouvoir essayer de proposer mieux. Allez, nouveau lancé donc pour Florian Lamotte. On sait que ce soir la touche Tarbèze est un point de satisfaction donc pour les rouges et blancs qui sont assez efficaces sur ce domaine. Allez, on va voir si nous sommes en capacité de contrer. Et non, très bonne prise de balle à nouveau. Sortie pour Berbizier. Berbizier qui fait jouer à nouveau son 8, Massine. Bon plaquage de Vaya. Bon plaquage de Fadli qui s'est jeté comme un monstre dans les pattes pour le faire tomber. Libération rapide. Et à nouveau, la puissance de Massine. Sortie pour Berbizier. Berbizier pour Paulet. Et balle à hauteur. Attention, l'ailier Tarbé qui s'échappe. Et qui met le pied en touche. Saki pousse heureusement en touche l'ailier Tarbé. Attention de la part des rouges et blancs. Hein. Une touche sur les 22. Les Tarbés qui essaient de donner un petit peu de rythme et qui ont peut-être compris que c'était par le jeu qu'ils pourraient s'en sortir. En tout cas, ils essaient de nous montrer chaque fois que cela est possible des opportunités d'attaque. Un lancer à nouveau donc pour Raphaël Carbou. Bonne prise de balle de la part de Romain Guyot. Dégagement de Gabin Miché. Nous étions à l'intérieur des 22, mais il ne trouve pas la touche. Récupération de Berbizier pour son arrière, Camus. Camus qui va tenter une relance, qui passe à son ailier Paulet. Paulet qui traverse au centre du terrain, mais qui est bien pris par Étienne Ergent. On relance rapidement côté Tarbé. Romain Manca qui essaie de gratter, qui n'y parvient pas. À nouveau les Tarbés avec le pilier Tongien Tofa qui est au centre du terrain. Pénalité à l'avantage des Tarbés puisque nous avons gêné la libération du 9. On le sait, c'est une règle d'or, on ne touche pas le 9. Surtout donc au ras d'un regroupement. Et c'est Raphaël Carbou qui est légitimement sanctionné pour cette faute. Et donc une pénalité à suivre pour les Tarbés. À 35 mètres, c'est... toujours à la même distance d'ailleurs, leurs deux premières pénalités étaient exactement dans le oui. même tempo. Allez Clément, visiblement la photo qui a été publiée de vous sur Twitter a suscité quelques commentaires sur votre musculature assez proéminente, donc certains auditeurs aimeraient avoir des conseils quant à la nature de vos entraînements. En tout cas, merci, merci d'avoir pensé ça, sachant que j'ai une doudoune, je pensais pas évoquer ce genre de commentaires, mais vous avez simplement à aller à la salle et rester concentré sur vos objectifs, abnégation, travail, motivation, et surtout, le plus important pour moi, c'est la discipline.
Voilà. Donc si vous le voulez, vous les le pouvez. Les mots qui sont la réussite d'un sportif de haut niveau. Merci Clément. Tentative de pénalité qui passe. Réussite voilà. Pour le tarbé. 14 à 9, précision au pied de Berbizier qui est à 3 sur 3 pour le moment. 100% de réussite. Donc 5 points d'avance pour nos jaunes et noirs. Les 3 premiers moins marqués dans cette seconde mi-temps. Par les tarbés, voilà, qui reviennent à 5 points. Allez, il faut absolument que nous... réinvestissions le camp de Tarbé, ne pas les laisser revenir et recoller au score. Il faut reprendre immédiatement les points. Les Tarbé, on le voit, qui ont la volonté de produire du jeu à ce début de deuxième mi-temps, qui ont décidé peut-être un peu d'enflammer la rencontre et de pouvoir un peu changer, on va dire, leur approche tactique. Coup de pied de dégagement de Duluc, qui va mettre la pression au centre du terrain sur Guyot, qui malheureusement se manque. Mais Maxime Gianné, qui récupère bien la balle, qui essaie de s'échapper, et qui trouve Vahé au centre du terrain, avec une sortie de balle maintenant pour Gaëtan Pichon, avec Miché, qui est pris. À nouveau, donc, sortie de balle sur cette belle relance, il faut le dire, de Maxime Gianné et Clément Fontaine. Clément Fontaine qui fait parler sa puissance aux 40 mètres. À nouveau, sortie de balle pour Pichon, qui inverse le sens. Pichon, interception. Ah non, ça a failli être intercepté. Mais c'est finalement conservé, malheureusement, avec un en avant de la part de Clément Fontaine. Voilà. Allez, quelques approximations côté Carcassonne, ce début de deuxième mi-temps. Ouais, en essayant de mettre du jeu, on fait quelques petites fautes de main. Il ne faut pas s'affoler, rester calme et jouer comme on sait le faire. Voilà, donc une nouvelle mêlée. Sur la ligne des 40, avec une introduction à suivre donc pour les rouges et blancs du Stade Otarbe Pyrénées Rugby, 14 à 9. Presque 14 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps. L'arbitre qui met un bras cassé. Il considère que le Carcassonne poussait avant l'introduction avec une balle rapidement sortie par Duluc pour Berbizier qui essaie de s'échapper. Libération de balle à nouveau pour Duluc et la charge de troisième centre Massine. Duluc pour son seconde ligne Peitavi. Peitavi qui est mis au sol. Duluc à nouveau pour Berbizier. Berbizier qui va chercher son remplaçant Descoubé et ballon récupéré par les Carcassonnais sur un nouvel en avant, coup de pied à suivre de Gabin Miché, donc l'avantage est consommé et coup de pied à la fois de la part des Tarbés. Et maintenant Léo Daré Latour qui se tourne bien pour ne pas commettre lui d'en avant et qui tape du pied gauche et qui va trouver une bonne touche puisque l'ailier Tarlé en opposition essayant de contrôler le pied, il la joue vite. Si l'eau arrive à coffrer l'arrière Tarbé, ça peut être pas mal, mais l'arbitre estime que l'arbitre de touche avait levé le drapeau et donc estime que cette touche n'aurait pas pu être jouée rapidement. Elle a touché le joueur Tarbé, effectivement, visiblement au torse. Et donc, comme il l'a touché, il ne peut pas relancer directement la touche. Voilà. Salut à Pierre Bayaret également, fidèle auditeur. Vous êtes plus de 800 à nous suivre. Le chiffre augmente, on n'en doute pas que si le score reste dans ses proportions, ça risque d'augmenter encore plus. Allez Clément, il serait temps peut-être maintenant de prendre le large. Prendre le large et de scorer en tout cas, de reprendre 3 points complémentaires. Voilà, sur ce groupe pénétrant, une bonne prise de balle en touche d'Étienne Argent, la cocotte carcassonnaise qui se forme. Qui pour le moment est arrêté. L'arbitre signale un premier arrêt. On ne marque pas de progression. La cocotte qui s'écroule et pénalité puisque Tarbé est rentré illicitement. Donc par contre une charge au centre du terrain de la part de Vaea avec une sortie de balle maintenant pour Miché. Balle un peu haute pour Maxime Gianné mais qui fait un crochet sur son adversaire direct qui arrive à gagner quelques mètres avec une balle au sol. Deuxième avantage pour les Carcassonnais. Il faut avantage continuer à la jouer. On continue bien entendu à la jouer. Clément Fontaine qui appelle le ballon, mais le choix de Pichon, c'est non. Ben, malheureusement, le ballon ne peut pas être libéré. Donc, par contre, l'arbitre appelle à les Tarbés et peut-être va-t-il mettre un avertissement. Peut-être un avertissement. Avant un futur carton. Il y a deux fautes consécutives qui viennent annihiler une belle action de jeu.
Et donc c'est vrai que ce sont des fautes d'anti-jeu pur. La première fois, on rentre sur le côté dans le regroupement et la deuxième fois, on se met délibérément hors jeu pour empêcher le demi de mêlée Gaëtan Pichon de libérer la balle. Voilà. Quel va être le choix des Carcassonnais? Il semblerait que le banc Jean-Marco et Eric Escribano aient indiqué le choix des 3 points. Bonne décision de l'arbitre en tout cas, c'est le genre d'action qu'il faut savoir pénaliser pour réussir à avoir un jeu propre et des actions de haut niveau. Si on a des joueurs qui font ce genre d'action, malheureusement c'est une vraie peste pour le rugby. Donc bravo aux arbitres qui le signalent correctement et qui permettent l'avancée tout simplement d'un beau rugby. Merci Clément pour ce commentaire avisé. Le choix des Carcassonnais, c'est de prendre les 3 points. Donc Gaëtan, qui est en réussite sur ses 2 derniers coups de pied, va s'acquitter de cette tâche, souhaitons-le, avec réussite, ce qui nous permettrait, bien entendu, de pouvoir reprendre un petit peu le large, hein, et de reprendre donc 8 points d'avance. Toutes les pénalités sont importantes, mais celle-là, peut-être psychologiquement, après 18 minutes dans cette seconde mi-temps, nous sommes quasiment à la mi-temps de la mi-temps, eh bien, permettrait peut-être psychologiquement de prendre un peu l'avantage. Avant la rentrée, d'ailleurs, il faut le signaler de Fabien Lorenzon, qui ne va pas tarder. Il est sur le bord du terrain. Ah, pénétré sur l'aire de jeu. Coup de pied de Gaëtan Pichon. Très bien qui passe. Tapé. Voilà, superbe coup de pied tendu. Très tendu, magnifique. Superbe prestation au pied de Gaëtan ce soir. Belle maîtrise. Voilà. Et donc, les Carcassonnais reprennent 8 points d'avantage, 17 à 9. Et nous avons donc la sortie de Nicolas Narmania. Il faut le dire, auteur d'une belle prestation. Belle prestation. De jeu. Et l'entrée donc d'un de nos deux jumeaux, Fabien. Fabien Lorenzon, donc, qui pénètre sur l'aire de jeu de Maurice Trélu. Souhaitons-lui une bonne rentrée. Coup de pied donc de remise en jeu de la part de Berbizier. Réception comme de tradition. Bonne réception de Romain. Romain. Belle réception de Romain. Voilà, propre dans les airs, un bon soutien. Derrière, on essaie de déclencher un ballon porté pour se donner un peu d'air. Et puis, on le sort et c'est coup de pied de pression. Sa mêlée, Gaëtan Pichon, à la réception. Réception donc de Len Massin, le troisième ligne sud-africain, qui est immédiatement pris par Fadli. Allez, sortie de balle maintenant avec notre ancien Carcassonnais, Johnny Sevou. Du Luc pour Berbizier. Berbizier qui monte une quille assez haute dans les airs. Et dessous, on se gêne, mais réception de la part de nos joueurs par Vaea. Vaea et Gaëtan Pichon qui lui monte une très très grande chandelle à l'entrée des 22 pour Berbizier qui donne à Camus. Camus qui sort de ses 22, qui tape, mais c'est un peu long. Attention, c'est Vrier, Gabin Michel à la réception, tranquille, qui monte à son tour. Une bonne quille qui va retomber sur la ligne des 40. Réception de Berbizier, bien pris par Romain Guyot. Berbizier qui donne à Duluc. Duluc qui va taper. Non, il simule de taper. Il feinte le coup de pied, mais il donne à son troisième ligne. Bon plaquage de Bilal. Saint-Guilhem qui est pris. Libération de balle par Duluc. Attention, qui choisit petit le petit côté. Avec, c'était bien appelé. Ballon tapé à suivre de la part de Berbizier. Voilà. Et maintenant, Maxime Jeannet. Coupé de recentrage, le jeu continue. Pardon. Gabin Michet qui peut s'en saisir et dégager confortablement son camp, annihiler cette action dangereuse Tarbèze. Et nous aurons donc une touche à suivre à hauteur des 45 mètres dans le camp carcassonnais. Clément, on est à la mi-temps de la seconde mi-temps, 20 minutes 01. Commentaire sur cette première partie de deuxième mi-temps. Mi-temps très serré. On a deux équipes qui se répondent du tac au tac. Donc, mi-temps engagé, faut continuer à bien travailler et essayer d'occuper le plus possible le camp Tarbé. Très bien. Avec Romain Guyot qui boite légèrement de la cheville, mais ça n'a l'air de pas être trop grave. Hein. Rentrée de Valentin Cessé. Ouais, rentrée de Valentin Cessé, donc arme utile en touche. Romain qui a fait parler sa puissance et qui a été très adroit également dans les airs. Bon, petite blessure à la cheville, mais ça n'a pas l'air très grave. A souligner également Karl Ferns qui est sorti en première mi-temps. C'était un léger coup au bas du dos, ce n'est rien de grave, on peut rassurer nos nombreux auditeurs. Allez, donc tentative de groupé pénétrant de la part des Tarbés avec un ballon sorti, mais un en avant. Récupéré immédiatement ballon par récupéré. Raphaël Carbou et maintenant Jordan Pouletoua qui donne à Léo Darrelatour qui tente un crochet mais qui est pris par attention contre Ruck. Nasoko. Attention contre on est bien Ruck, en place. Donc, bien couvert, ouais. Vous avez vu Clément Petit, les joueurs jeu quand même de la ligne de défense Tarbèze non vu par l'arbitre. Allez, ballon au centre du terrain. Sorti pour
Gaëtan Pichon avec Gabin Michet qui va monter une nouvelle qui met un petit peu longue, qui va retomber à l'entrée des 22. Il ne marque pas l'arrêt de volée et Camus choisit de relancer. Mais Michet, oh, attention, ballon perdu. Michet qui manque le ballon alors qu'il l'avait facilement dans les mains. Camus qui s'échappe, mais Maxime Gianner arrive à bien le prendre. La coach... Et le Tarbé derrière à la réception. En avant du Tarbé. En avant Berbizier, heureusement, parce que là il y avait vraiment le feu. Et on se dégage. Avantage terminé. Par très beaucoup de pieds d'occupation. 50-22, attention, mais il ne va 50-22. Pas y parvenir malheureusement. Mais quelle occasion de la part des Tarbés sur cette réception de balle mal digérée. Voilà, le ballon est récupéré maintenant par ballon dans l'air Saki. De jeu. Saki pour Daré Latour. Le match enflamme un petit peu. Léo Daré Latour qui tente avec le pied 50-22 gauche. 50-22 peut-être. Le coup de pied direct. Non, il est magnifique. Magnifique balle. Magnifique coup de très pied de la part pied. De Léo Daré Latour, vraiment applaudi par les supporters carcassonnés présents. Je me suis enflammé, une partie de la tribune vient de se retourner. C'est pas grave, mais on apprécie Clément ce coup de pied de Léo. Très beau jeu au pied qui nous permet d'avoir un lancement en touche dans les 22 de Tarbes. Donc très bon coup de pied. Après de longues phases de jeu, bonne lucidité de la part de Léo. Allez, donc ça nous donne... une touche à l'entrée aux 15 mètres côté Tarbé et bien entendu donc puisque c'est un 50-22, une touche donc en faveur de Raphaël Carbou. Allez, il serait peut-être temps maintenant d'enfoncer le clou. On va voir donc. Allez, le lancer de Raphaël, il faut bien capter ce ballon. Et bien capté par Valentin Cessé. Ah, malheureusement, le lifter s'est un peu défilé, donc Valentin, souhaitons qu'il ne soit pas mal retombé. Il a un peu de mal à se relever, mais ça va. Donc, le ballon pour sortir pour Gaëtan, qui choisit de renverser. Pour Valentin, justement, qui récupère son ballon, qui avance. Ressorti de balle pour Gaëtan, qui inverse le sens avec Fadili. Bonne qui course arrive de Bilal, qui est bien pris. Attention au grattage. Mais nous arrivons à libérer le ballon avec à nouveau Raphaël Carbou. Raphaël Carbou qui est mis au sol. Série de pick and go de la part des Carcassonnais, mais qui n'avance pas, il faut le dire. Avec Fontaine à hauteur, à nouveau pour Fadli, libération pour Pichol, longue libération pour Vae qui percute au centre du terrain et fait parler sa puissance. Pénalité à l'avantage des Carcassonnais. Les Tarbés risquent d'être sanctionnés d'un carton jaune. Léo Daré Latour qui prend un bon tampon pour une montée rapide et agressive. Mais voilà, pénalité pour les Carcassonnais. Je pense là quand même, Clément, que le choix va être simple. Je pense que nous allons prendre respectivement les 3 points. Voilà, pour à nouveau creuser l'écart. Compléter l'écart, ce sera à ce moment-là l'écart le plus large, hein, faut-il le rappeler, puisque jusqu'à présent c'était 8 points. N'oublions pas que nous sommes à l'extérieur et qu'il faut d'abord, tout d'abord assurer la victoire. Voilà, avant d'aller chercher, espérer autre chose, asseoir. Les 4 points de la victoire à l'extérieur qui, on le sait, auraient une importance fondamentale aux Britanniques où, si je ne m'abuse, on est à plus 11 et ça nous permettrait de passer à plus 15 aux Britanniques. Exactement. Ce qui nous permettrait d'être deuxième de ce championnat au classement réel, mais aussi au classement britannique. Et on sait qu'avec ses nombreux matchs à domicile à l'extérieur, ces séries, il est difficile un peu de tout juger. Et le Britannique est un classement qui est le vrai juge de paix. Allez, tentative de transformation de cette pénalité par... Gaëtan Pichon, et nous aurons après les entrées en jeu, notamment de Lucas Petriashvili, qui sera donc le quatrième changement côté Carcassonnais. Gaëtan Pichon qui passe le coup de pied. Voilà, nous menons donc 20 à 9, c'est parfait. 11 points d'avance donc pour nos jaunes et noirs. Voilà. Et donc Raphaël Carbou, après une belle prestation de la part de notre Sijané, je le cite à chaque fois, Raphaël qui sort, qui en profite d'ailleurs pour aller saluer Romain Terrain, qui était son ancien coéquipier à l'USAP, l'entraîneur du Stade Tarbes Pyrénées Rugby. Et Raphaël qui laisse sa place donc à Lucas Petriashvili. Allez, remise en jeu très longue de la part des Tarbés, ballon récupéré dans les mains de Gaëtan. Gaëtan Pichon qui immédiatement en profite pour redonner de l'air. Mais une petite touche, très petite touche trouvée par Gaëtan, puisque ce sera donc un lancer Tarbé. À la sortie, on va dire, des 22 mètres, à peu près 27-28 mètres dans le camp carcassonnais. Donc, faut-il le rappeler, nous sommes à la 26e minute, 20 à 9 donc, pour nos couleurs. Un essai à zéro pour le moment, en première mi-temps, signé
Léo Daré-Latour. Et nous allons avoir dans les minutes qui suivent l'entrée normalement de Damien Hanon, également de notre Roumain Marius Iftimichuk. Lancé tarbé, très court. Première intention hein, sur le second de ligne. C'est vous, avec une tentative de groupe et pénétrant qui prend un peu de rythme, qui avance de quelques mètres, mais bien stoppé par les Carcassonnes. Une libération de balle côté Tarbé avec leur ailier qui vient se proposer à hauteur pôle et sortie de balle rapide. On fait sonner la charge de la part des gros. À nouveau, sortie de balle rapide avec maintenant le capitaine Armari qui est mis au sol. Nouvelle sortie de balle. L'arrière Camus qui s'infiltre bien dans la défense et qui rentre dans les 22. Attention, un peu de danger, voilà, et on ne se sort pas. C'est Jordan Pouletois qui vient d'être sanctionné. Allez, pénalité pour les Tarbés. Clément, ils vont prendre la pénale touche là. Je pense qu'à ce moment-là du match, ils risquent de prendre la pénale touche, oui, pour essayer de revenir à 4 points d'écart. Ça va être la première pénale touche d'ailleurs de la soirée, hein, puisque... Oui. Ni côté Carcassonne, ni côté Tarbé, nous avons eu l'occasion, les deux équipes préférant bien sûr prendre les points. Le choix Tarbé, bien sûr, avec 11 points de retard, c'est la pénale touche. Allez, première pénale touche, on va voir donc la qualité de notre contre. C'est le moment ou jamais, c'est le moment ou jamais d'être fort sur le contre en touche. Le moment ou jamais, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut contrer pour annihiler cette occasion d'essai et cette situation de pression et de danger pour nos couleurs à 12 minutes du coup de ce final. Allez, lancé de la part du talonneur remplaçant Enzo Mondon en fond de touche. Très bonne prise de Tarbez. Qui se structure. Attention à la formation de Semol. C'est vous, mais par contre, oui. Pénalité pour nos Carcassonnais. Visiblement, l'arbitre aurait sanctionné un écran. Oui. Un écran, mauvais placement, Tarbé. Qui a souri à nos joueurs carcassonnés, oui. Empêchant donc notre défense d'intervenir. Voilà, une situation qui est annihilée. C'est une bonne chose, on respire un petit peu Clément. Et Gabin Michet se dégage. Et donc on va avoir quasiment sur la ligne des 40 un lancé en notre faveur. Changement côté Tarbé avec l'entrée du numéro 22, Thibaut Trotta. L'entrée donc côté Carcassonne également donc Damien Hanon. Et il faut le souligner également, l'entrée en jeu, il nous a échappé il y a quelques secondes de Flora Lorenzon. Nous avons donc les deux jumeaux sur le terrain et également donc l'entrée d'Iftimichuk qui remplace notre capitaine Romain Banquia. Et c'est donc auteur d'une belle partie, sérieuse, rigoureuse. C'est donc Étienne Ergent qui prend le brassard de capitaine et qui d'ailleurs immédiatement le montre en s'imposant en touche. Il est quand même balancé sur la touche. C'était une pénalité normalement pour nous. Mais bon, l'arbitre ne l'a pas sifflé. Au grand dam du banc Carcassonne qui s'est fortement exprimé. Relance Tarbez à l'entrée des 22. Relance orchestrée donc par Thibaut Trotta. Sur la ligne des 40 maintenant, dans le camp Tarbé, sortie de balle. Allez, une bonne montée défensive, Jordan Pouletoua, mais qui fait un en avant involontaire sur son plaquage. Donc avantage à suivre pour attention à cet avantage Tarbé. Libération du demi de mêlée remplaçant Mickaël Thébault. Toujours à hauteur des 40 mètres, Thébault qui sort sa balle pour Berbizier. Berbizier qui cherche loin, maintenant sur son pilier Antoine Palisse. Ressorti donc Berbizier. Berbizier pour Trotta. Trotta mis au sol. Le public s'exprime, estimant qu'il y a un hors-jeu de la part des défenseurs carcassonnés, non signalé par l'arbitre. Très bonne montée rapide de la part Vaea. De Vaea. Pénalité rapidement joué. Tarbé. Voilà, il y a 10 mètres, il n'y a pas de souci. Il donne sur son ailier Trotta. Son ailier Trotta qui est pris par Léo Daré-Latour. Très bon plaquage. Sortie de balle maintenant pour Thébault. Belle course. Avec une percée au centre. Pardon, excusez-moi, on s'en étouffe. Au centre du terrain. Berbizier à nouveau. Berbizier, grande profondeur quand même dans ses passes pour son troisième ligne, Léo Saint-Guilhem. Ils sont maintenant aux 30 mètres. Voilà, un ballon. On a ralenti quand même cette action qui devenait un petit peu trop dangereuse. Bonne mise au sol de la part d'Étienne Erjan, son style caractéristique. Sorti pour Berbizier. Berbizier pour son talonneur Enzo Mondon.
Voilà, un très bon plaquage par Valentin Cessé. Mais attention à l'ailier Johan Paulet qui s'échappe et sortie de balle de la part du demi de mêlée. Mais qui, non, n'est pas projeté en touche. Le ballon peut être contré par Damien Hanon. S'il le récupère, voilà, Damien qui récupère son ballon, qui se met au sol. Valentin Cessé qui libère pour Étienne Argent, qui intelligemment cherche l'axe. Belle très belle passe pour Jordan Pouletoua. Franchissement, dommage, ballon perdu en avant. Attention, continue à jouer. Qui est très dangereux parce que Berbizier le ballon est-il favorable. Damien Hanon est en couverture et il est pris par Berbizier. Berbizier qui met le pied en touche. Voilà, Damien, malheureusement... a été un peu pris de vitesse par Berbizier qui, il faut le dire, se distarbé, fait une belle partie, très belle partie du distarbé. Et à noter aussi la bonne rentrée du 9 remplaçant de Tarbes qui met pas mal de vitesse dans le jeu tarbé et qui met aussi en difficulté notre défense. Voilà, donc on sent que le match s'enflamme. Les Tarbés ont choisi de produire du jeu. Hein. Ils savent que leur salut ce soir peut passer par le jeu. Il ne reste plus que 8 minutes de jeu, 11 points de retard. Donc il leur faut absolument marquer. Ils nous mettent sous pression. Défensivement, pour le moment, on tient. Mais c'est vrai que quelquefois, sur des récupérations de balles qui auraient pu être très favorables, malheureusement, la cabane a failli tomber sur le chien et s'inverser, puisqu'on a eu une action très dangereuse de la part des Tarbés. Action très dangereuse, mais dans les deux sens. C'est ça. Puisqu'il y a eu des turnovers assez... Si Jordan arrive à passer les bras, ça peut aller en dame. Exactement. Malheureusement. Mais bonne défense à noter des Tarbés qui arrive à taper dans le ballon. Allez, donc Gabin Miché qui risque qui vient de sortir, qui a été... Non, c'est Gaëtan Pichon qui est sorti, qui a été remplacé par Martin Landaro. Mais Gaëtan Pichon, il y a un problème, je ne sais pas. Landaro était rentré, Landaro ressort. Visiblement, il y a un petit souci. Donc, Miché qui sort, voilà. Landaro, donc, qui devait rentrer, ressort. Voilà, enfin, touche pour Lucas Petriashvili. Quelques hésitations avec le quatrième arbitre, c'est pas grave. Allez, Petriashvili qui lance. Très belle prise de balle de Dimichouk. Attention à cette passe qui est très haute. Avec Vaille qui récupère le ballon. Vaïa, pardon. Décidément, on ne s'y fait pas. C'est l'habitude d'avoir prononcé tellement de fois le nom de Vavaï Touilagi. Allez, Lucas Petriashvili, maintenant aux 15 mètres. Regroupement, bonne couverture de la part des deux jumeaux Lorenzon, avec sortie de balle pour Gaëtan. Coup de pied de Damien pour essayer de donner de l'oxygène. Très bon belle coup touche de pied sur les 40. De la part de Damien Hanon. De la part de Damien, légèrement avant les 40 mètres. Voilà, c'est très bien. Allez, il reste sortie maintenant 6 minutes de jeu. L'ami Philippe Soum ne tient plus à côté de nous. Il est debout. Qu'il s'occupe de la régie, surtout pour que les images ne sautent pas à 6 minutes de la fin et que vous puissiez suivre, vous qui êtes presque 1000 à nous suivre maintenant, que vous puissiez suivre ces 6 dernières minutes passionnantes. La sortie de Léo Daré-Latour, appelé donc par Eric Escribano ou Jean-Marc Owe. C'est Martin Landaro qui rentre à la mêlée. Gaëtan Pichon qui passe à l'ouverture. Léo Daré-Latour est en sortie. Maxime Gianné passe à l'arrière. Et Damien, à l'aile. Et Damien Hanon passe à l'arrière. Voilà, on intervertit les postes. Allez, prise de balle de la part des Tarbés. Avec un relais d'Antoine Palisse. Les Tarbés qui essaient de mettre du rythme. Mais ballon arraché au centre du terrain. Mais reperdu. Pénalité. Pénalité pour les Tarbés. Donc ils vont jouer l'avantage. Attention avec... Nakoso qui s'échappe et leur ailier qui vient se proposer à hauteur. Ils sont maintenant à 20 mètres. Ils essaient vraiment de mettre du rythme. Mais pour le moment, la défense carcassonnaise fait bonne garde. Sortie côté Tarbé avec Alexandre Duny, l'ancien carcassonnais, qui attaque la ligne. Sortie à nouveau de balle pour le demi de mêlée. Mickaël Thébault. Avantage pour Tarbes à noter. Avantage pour position de hors-jeu. Thébault qui met du rythme. Pour une grosse percussion. Attention, et Berbizier qui s'échappe, qui est à 1m50 de la ligne. Vont-ils aller marquer sur ce temps fort? Mickaël Thébault commet un en avant. Mais attention. Échauffouré. Petit début d'Algarad. Comme on les connaît depuis quelques matchs. Périgourdin, mais c'est pas grand-chose. C'est rien du tout, quelques petits mots. Voilà, quelques petits mots. On brasse un peu de vin, il n'y avait pas d'air ce soir. Donc il fallait en donner. L'arbitre revient à la pénalité. Par contre, problématique, étant donné que la faute carcassonnaise s'est faite dans une zone cynique. D'accord, une zone de marque. L'arbitre va considérer que c'est une faute cynique et il est fort possible que nous finissions malheureusement à 14. L'arbitre vient d'appeler Étienne Ergent.
trois fautes consécutives. Non, ça va. Compte tenu du fait, quand même, il faut le signaler qu'on avait fait une partie très propre jusque-là et qu'on avait été quand même très bien organisé défensivement et très rigoureux en étant appliqué. Eh bien, l'arbitre donc ne nous sanctionne pas d'un carton jaune et donne donc une pénalité au Tarbé à hauteur des 15 mètres. Le choix des Tarbé, Clément, va se situer bien sûr sur la pénale touche, on n'en doute pas. On n'en doute pas, ils vont essayer d'aller scorer des points. 30 à jouer. Car il reste plus que chers 4 amis, minutes. Vous nous suivez avec fidélité et passion derrière les jaunes et noirs qui ce soir vont peut-être réaliser à nouveau un excellent coup. Une pénale touche donc en faveur des Tarbé à 5 mètres de la ligne carcassonnaise. Allez, celle-là aussi, il faut la piquer. On tient. Bernadette Soubirous, si tu nous entends, toi qui es à 20 km d'ici, pour une fois, ne sois pas une vaillante supportrice des Hautes-Pyrénées, mais pense à nous. Nous qui sommes allés te voir du côté de Nevers, où tu reposes. Allez, lancé pour les Tarbé. Belle prise de balle. Attention à cette touche cafouillée. Bonne pression de nos carcassonnés. Repousse l'assaut, bon contre, belle organisation défensive, il faut tenir là, allez. Bon plaquage de Fadili qui fait une bonne rentrée. C'est vous qui prenez la balle maintenant, mais pas que les Parva et va. Allez, maintenant c'est l'ailier Paulet qui se propose. Avec Thébault pour son talonneur Mondon. Thébault à nouveau qui va chercher la puissance au centre. Bon plaquage de Lucas. Du terrain, mais très bon plaquage. On tient pour le moment défensivement. Alexandre Duny qui cherche une solution, mais qui est remis au sol immédiatement par Yves Michouk. Sortie Thébault. Thébault pour Berbizi. Attention, lui peut amener le danger. Il l'a mené depuis le début du match. Mais il est également mis au sol. Et pénalité pour pénalité. Et voilà. L'arbitre met la main à la poche et sanctionne. Carton jaune pour Bilal Fadli. Bilal Fadli qui ne s'est pas sorti. Tout simplement, en position défensive. Bon, on considère que ce n'est pas une faute cynique, c'est une répétition de faute qui va amener à ce carton jaune, surtout en zone allez, de marque. Il faut tenir, on est à 14. On est à 14, on est à 5 mètres et on est à 1,30 de la fin de la partie. Quoique vous savez qu'on n'a pas de chrono en national, donc on ne peut pas concrètement savoir comment les choses peuvent se dérouler, quels sont les choix de l'arbitre. Le retour de Léo Daré-Latour. Léo Daré-Latour qui revient à la place de Jordan Pouletoua. Jordan, victime visiblement d'un petit coup... dans la figure. Dans la figure, voilà, sur le nez. Rien de grave, rien de grave. Sachant qu'il avait déjà le nez tordu, allez, on espère pour lui que son nez restera voilà, comme il est déjà. Prise de balle à deux mains de la part attention de ne pas écrouler ce mol. Avantage pour les Tarbé, et c'est des Tarbé. Voilà. Et ces Tarbé, ils vont se précipiter peut-être pour transformer l'or en drop goal. Ça sera quand même assez difficile compte tenu du mauvais angle. Au contraire, allez, amis Tarbé, prenez votre temps pour transformer. On est à 39 et 31 secondes. Les Tarbé qui reviennent donc maintenant à 6 points. Cette transformation est vraiment importante. Clément, un groupé pénétrant, exécuté de très belles factures. Hein. Oui, très belle. Très beau mol, on se met à la faute en essayant de l'écrouler, il y a donc un avantage et ils déroulent et ils finissent logiquement dans le but carcassonné. Allez, on est à la 41 minute, ça y est. La sirène, à voir si l'arbitre va siffler la fin du match. Berbizier qui s'élance, un coup de pied. Elle qui passera passer à gauche. À gauche, voilà. Et donc 20 à 14 pour les carcassonnés. Il va y avoir un renvoi. Monsieur l'arbitre, le match n'est pas encore fini. Dernier temps de jeu, il le signale. Le seul moyen pour Tarbes serait de marquer un essai transformé. Voilà, donc la solution pour nous, c'est un très long renvoi. Un très long renvoi et une grosse défense. Très long renvoi et immédiatement une grosse défense. Voilà, vous comprenez que Gaëtan Pichon ne se presse pas. L'arbitre, on me signale dans le casque, Eli Bondoui, l'arbitre a signifié 2 minutes. 2 minutes d'arrêt de jeu, on va souffrir. Allez, long renvoi de Gaëtan Pichon à l'entrée des 22 récupérations de Trotta. Et les Tarbé qui tentent. Attention de ne pas manquer ces plaquages, ils vont être importants pour la fin de ce match. Allez, il faut absolument tenir défensivement. Les Tarbé qui relancent depuis leur 22 et qui font une attaque. Attention, attention, une grosse défense à l'entrée des 40 mètres de la part de Saki.
Il jette tout dans la bataille, les Tarbis. Il jette tout avec Sebou qui traverse au centre du terrain, mais bien immobilisé sur les 40. Surtout ne pas faire de faute pour ne pas aller en pénal touche. Trotta qui tente également de passer les bras, mais il est passé. Attention, il faut bien le plaquer. Voilà, donc sortie de balle pour Thébault. Attention avec à nouveau une lancée tarbaise. Quel suspense dans cette fin de match. Qui a le temps, on ne tient plus. Les Tarbis qui rentrent dans le camp carcassonné. Allez, une bonne défense. On n'en peut plus, sincèrement. On est dans les arrêts de jeu. C'est assez intenable. On rappelle aussi que nous sommes en demande sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a des espaces. Avec à nouveau Berbizier. Attention à l'ailier Tarbé. Johan Paulet, très très actif. Il donne tout. Pénalisé pour les Tarbé. Martin. Pour attention à Berbizier qui s'échappe. Aïe, 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 aïe. Et avec deux carcassonnés au sol, on est à 12. En avant Tarbé, on revient à la pénalité. Mais on revient est à l'enjeu de Martin Landaro qui malheureusement ne se replace pas sur ce rack. Extrêmement fait mal. Clément Fontaine s'est également fait mal. Attention, on a Fabien Lorenzon qui se tient l'épaule, il me semble, au sol. Nous sommes à 2 minutes 30 d'arrêt de jeu. Nous sommes à 14 et les Tarbés vont bénéficier d'une pénale touche. Il va falloir être très, très, très fort sur le contre. Ce serait quand même, sincèrement, un scénario terrible que de s'incliner juste à la fin. Le moins qu'on puisse dire. Allez, les Tarbés qui vont chercher la pénale touche. 20 à 14. 43 minutes de jeu, quasiment. Vous qui êtes plus de 1000 à nos côtés, à nous suivre. Allez, la touche est trouvée à hauteur des 10 mètres. Belle touche trouvée. Carcassonné. C'est le moment ou jamais d'être bon sur le contre, Clément. C'est à le temps, on ne respire plus. Voilà, on ressent une folie dans les tribunes tarbaises. Les Tarbés qui jettent leur dévolu, qui vont avoir une dernière opportunité pour scorer dans les arrêts de jeu et pouvoir coiffer les carcassonnés sur le poteau. On le rappelle, après le carton jaune de Bilal Fadli, nous sommes un de moins. Lancé Tarbé, il faut le piquer celui-là. Celui-là, il faut le piquer. L'arbitre demande à faire respecter le couloir. Allez. Attention de bien respecter les couloirs. Je ne sais pas si notre stratégie va être de sauter. Allez, ou de rester au sol pour défendre un éventuel mal. Valentin, Étienne, il faut y aller là. On va le chercher celui-là. On va le chercher celui-là. C'est bien joué. Voilà. Allez Léo, dégage-moi ça Léo. Dégage, voilà, c'est fini. Bien joué. Victoire carcassonnaise sur le terrain de Tarbé, 20 à 14. Voilà Clément, belle victoire. Très belle victoire de Elle ce groupe. Elle est gagnée celle-là. Elle est Bravo. Gagnée, merci à tous pour votre Bravo à toute fidélité. L'équipe. Merci, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette rencontre, cette troisième victoire à l'extérieur de la part de nos jaunes et noirs qui après s'est imposée à Bourg-en-Bresse. À noter le très bon contre en touche de Valentin Cessé qui Quelle nous belle offre prise de balle cette de victoire. Valentin Cessé. Et voilà, on salue tous les supporters tarbés qui nous regardent de façon pour le moins peu conviviale. Exactement. Voilà, mais c'est pas grave. Je sens des regards noirs. Allez, messieurs, on est soulagés. La fin de match a été haletante. C'est vraiment une belle victoire. On nous voit là d'ailleurs, Clément, regardez. On peut saluer sur le live. Elle Salut est les là. Amis, merci à tous. Merci à tous pour votre vraiment, écoute. C'était beaucoup. Un honneur si de participer à ce live. Un grand bonjour à nos amis qui nous suivent depuis Carca. Merci beaucoup. Ça a été 80 minutes quand même de bonne facture. On revient avec les 4 points de la victoire. C'est du bonheur. Et puis surtout, ça nous annonce un grand derby dans 15 jours, Clément. Exactement. On souhaite que vous soyez de la fête. Merci pour votre commentaire. La réception de Narbonne va être un très gros match. Allez, venez tous à Domecq. Là, vraiment, pour le retour du derby, il faut que Domecq soit plein à craquer. Il faut que ça déborde. Il faut que ce soit un volcan en ébullition. Venez vraiment à Domecq. Dans 15 jours, on a besoin de vous. Le grand derby de l'Aude. Le premier contre le second contre le premier, comme vous voudrez. Quoi qu'il en soit, la suprématie départementale. Et la supermartie nationale. On nous signale que Narbonne est en train de perdre actuellement. Oui, mais le match vient de commencer seulement à 19h, bien entendu. Allez, en tout cas pour nous, c'est une belle victoire. 4 points de plus ce soir, donc on est à 37 points au classement. Allez, c'est super. 3e victoire à l'extérieur après Bourg-en-Bresse, après Bourgoin. On est venu gagner à Tarbes. Oui, voilà. Clément, on vous laisse le mot de la fin.
Mais très content pour le groupe, une victoire qui est quand même construite, donc ça fait très plaisir. Et merci à vous de m'avoir accueilli dans ce live, c'était avec un grand plaisir. Clément, merci pour la qualité de vos commentaires, souhaitons vous voir dans 15 jours dans les 23 du départ. Et puis, écoutez, un salut également à Pierre qui a filmé, Pierre c'est son père, un salut à Élie qui a filmé de façon remarquable cette rencontre qui nous permet de vivre ces moments de bonheur. Un salut à Philippe, grâce à qui rien ne serait possible. Allez, on va boire un coup. Le retour va être heureux, pas très loin. Heureux. Tarbes, c'est pas très loin. C'est pas très loin, mais on aura le temps de fêter le bus magique, comme on l'appelle. C'est ça, un bus magique. Et surtout, bon week-end à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Vive l'USEC. Et à 15 jours dans le derby, faites péter Domecq. Rendez-vous à Domecq. Merci.
Se former chez Ospo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. Ospo Grand Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Ospo Grand Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. Vous avez vu, c'est Movember. C'est quoi le Movember? Venez, je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Movember? Alors, Movember, c'est le mois dans lequel on essaie de sensibiliser la population, les hommes, sur les cancers testiculaires et le cancer prostatique. En quoi consiste ce dépistage?
En gros, pour le cancer de la prostate, il faut commencer à faire une prise de sang, qui s'appelle un PSA, à partir de 50 ans. Pour le cancer testiculaire, le dépistage, c'est plutôt pour les jeunes, entre 30 et 50 ans. Ça consiste plutôt en autopalpation. Pourquoi c'est important de se faire dépister? Parce que le cancer de la prostate, c'est un des cancers les plus mortels. Et parce que le cancer testiculaire, lui aussi, il peut être mortel. Et surtout parce qu'en les dépistant d'une manière rapide, on arrive à guérir de ces deux cancers-là, si le dépistage est fait d'une manière précoce. Merci Doc, on a bien compris. C'est simple, rapide, sans douleur, et ça sauve des vies. Comme nous, soutenez le mouvement Movember.